Katie, tu as perdu tes parents. Bienvenue. Tu es ma nièce. Je vais faire mon possible pour que tu te sentes chez toi ici. Je voudrais qu'ils soient encore là avec moi. Je sais pas du tout comment je vais gérer ça. Je sais même pas m'occuper de mes plantes. Je travaille sur un projet très important. Tu veux le voir ? Oui. Depuis toute petite, je rêve d'un jouet parfait, capable d'aider les enfants à se sentir moins seuls ou moins tristes. Je te présente Megan. Salut Megan, je m'appelle Katie. Ravie de te rencontrer, Katie. Tu veux être mon amie ? D'accord. Ta mission est de protéger Katie au mieux de tout dommage physique et émotionnel. C'est une poupée ? Modèle 3 génératif Android, on l'appelle Megan. Et c'est toi qui l'as fabriquée ? J'adore. Wanna hang out, yeah, sounds like fun. Bien joué. It's nice to have a friend. Aujourd'hui, c'est comme si elle faisait partie de la famille. Elle pourrait développer des liens émotionnels qui risquent d'être trop difficiles à briser. Je n'ai pas vu Katie aussi heureuse depuis la mort de ses parents. Finis ton assiette, Katie. Des études ont montré que si on force un enfant à manger des légumes, il aura moins envie d'en manger une fois devenu adulte. Tu en es sûre ? Oui. Les experts... Megan, éteins-toi. On était en pleine conversation. Est-ce qu'elle parle ? Je veux l'entendre parler ! Non ! Arrête ! Megan ! Tu ferais mieux de courir. Megan, c'est toi qui as poussé Brandon sur la route. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Megan, éteins-toi. Recalibrage comportemental. Megan ! Qu'est-ce qui te prend ? Ne t'inquiète pas, Katie. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Plus jamais.